Tu vas me préparer les vendanges, le personnel, tout ça. Et pour le reste, ben, on verra à mesure. Super. Au nom de la République française, Paul de Marcel, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. On pourrait faire une photo devant le château, le père, le fils. Non, non, merci. Confiance, ça se gagne. Hein. Tu peux compter sur moi. Toi ? Oui, j'ai fait une école. Faut avoir un nez, faut avoir un palais. Toi, t'as que de l'oreille. Dis donc, Martin, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le patron, hein. J'ai jamais rien promis. Je t'ai dit qu'on verrait au fur et à mesure. Attends ton heure, mon grand. Philippe ! Ah ben, je suis content de te voir, mon grand. Moi aussi. On va fêter le retour de l'enfant de prodigue. Quoi, ce travail, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu le fais exprès ou quoi ? Et si tu sais pas, tu demandes à Philippe. Je crois que votre fils, il aimerait prendre les choses en main. Martin n'est pas à sa place, ici. C'est un domaine viticole, c'est pas la côte aux rêves. Merde, à la fin, tu dois lui parler. T'as pas l'impression que tu t'incrustes, là ? Ta gueule ! C'est pas parce que t'es bon à rien que tu dois empêcher les autres de travailler, quand même. Tu m'étouffes, tu m'asphyxies, tu mens, tu me méprises, tu m'humilies, tu passes ton temps à m'attendre. T'es le contraire d'un père. Vous croyez vraiment qu'on peut jouer avec les gens comme avec des Playmobil? Martin est très attaché au domaine. Moi, je suis pas très attaché à Martin.